Coffee Break French Season 3 Episode 15 Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back once again to Coffee Break French and this is Episode 15 in Season 3 of our series. Cette semaine, nous parlons avec Alf, l'un des trois étudiants à Nice et nous allons savoir un peu plus. À propos de sa carrière. Comme vous le savez, Alf était autrefois professeur et il va parler de sa carrière aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! As usual, we'll begin by having a listen to the whole text. So, we are going to listen to Alf's text, then afterwards, We'll help you understand it by picking up a few of the language points. If you'd like a line by line analysis of the text, then you can use the extended version of this podcast, which is available through the members area at coffeebreakfrench.com. Let's have a listen to Alf's text. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, il a plu pendant trois jours. Donc euh, mes petits déjeuners sur la terrasse n'étaient pas aussi sympas. Dans les cours de français, nous avons parlé des métiers. Comme j'ai déjà dit, la plupart des étudiants dans la classe sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc euh, c'était très intéressant d'entendre leurs avis sur le travail euh, et les métiers en général. Je travaillais avec Katie, une jeune étudiante américaine, pour préparer une présentation sur le travail. Et elle s'intéresse beaucoup au monde de l'éducation. J'ai l'impression qu'elle aimerait bien être prof. Et je pense que mes histoires l'ont convaincue que c'est un travail enrichissant, bien que des fois ce soit difficile. Il faut dire que les écoles ont beaucoup changé ces derniers temps. Il y a dix ans, c'était un travail complètement différent. Maintenant, je pense que les profs ont trop de travail administratif. Sandrine m'a appris une bonne expression pour cela cette semaine. Les profs croulent sous la paperasse. Pour vous donner un exemple, maintenant il y a bien trop de documents à remplir. Si un prof veut faire un voyage avec ses élèves. Autrefois, quand j'étais prof, il n'y avait aucun problème. Tout se passait très bien. Et il n'y avait pas toute cette paperasserie. C'est incroyable qu'il y ait encore des profs qui fassent des visites. Néanmoins, c'est un métier très gratifiant, comme j'ai dit à Katie. Le fait que les élèves retiennent ce que je leur enseigne est très enrichissant. J'ai pris une décision importante cette semaine aussi. Je ne suis pas très fort en cuisine. J'ai l'habitude de m'acheter du pain et du fromage et ça fait mon repas de midi. La plupart des soirs, je suis sur Nice, donc je fais un tour des bistrots et des restaurants et je n'ai pas vraiment besoin de faire la cuisine. Par contre, d'ici un mois, Jennifer arrivera et je voudrais bien la surprendre en lui cuisinant un repas délicieux. Je suis donc à la recherche d'une école de cuisine et je vais en parler avec Sandrine. Alors, mes amis, c'est tout pour le moment. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. So, Alf begins by saying hello and he says, J'espère que vous allez bien. I hope you're all well. And then he talks a little about the fact that it's been raining for three days this week. So, his breakfasts on the terrace. Weren't quite as enjoyable. Bonjour, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, il a plu pendant trois jours, donc uh, mes petits déjeuners sur la terrasse n'étaient pas aussi sympas. He says, "Il a plu pendant trois jours," literally, "It has rained during three days." So this week it has rained for three days, and he continues by talking about the French lessons. Dans les cours de français, nous avons parlé des métiers. Un métier is the word for a job, or a career if you like, a profession. Dans les cours de français, nous avons parlé des métiers. Comme j'ai déjà dit, la plupart des étudiants dans la classe sont beaucoup plus jeunes que moi. Les étudiants dans la classe sont beaucoup plus jeunes que moi. The students in the class are, are much younger than me. So he says that it was interesting to hear their opinions on work and jobs in general. Donc, euh, c'était très intéressant d'entendre leurs avis sur le travail euh, et les métiers en général. Alf has been working with Katie, as we've heard before from Katie, and he says that he thinks that she would really like to be a teacher. J'ai l'impression qu'elle aimerait bien être prof et je pense que mes histoires l'ont convaincu que c'est un travail enrichissant and he also thinks that his stories mes histoires l'ont convaincu they have convinced her that it's a, a a very enriching a very gratifying job et je pense que mes histoires l'ont convaincu que c'est un travail enrichissant bien que des fois ce soit difficile and alf adds in something here he says bien que des fois ce soit difficile although sometimes it's difficult this bien que is one of the other triggers for the subjunctive ce soit is the subjunctive version of c'est and we go into this in lots more detail in the extended version of this episode Ele thinks that schools have changed lots in the past few years. He says, il faut dire que les écoles ont beaucoup changé ces derniers temps. Il faut dire que les écoles ont beaucoup changé ces derniers temps. Il y a dix ans, c'était un travail complètement différent. So can you remember what il y a dix ans means? Il y a when combined with a time expression means ago. So 10 years ago, c'était un travail complètement différent. It was a completely different job. One of the changes that Alf refers to is the amount of administration that teachers have to do. Maintenant, je pense que les profs ont trop de travail administratif. Les profs ont trop de travail administratif. They have too much administrative work. Pour vous donner un exemple, Maintenant, il y a bien trop de documents à remplir si un prof veut faire un voyage avec ses élèves. So, Alf gives us an example of what he means. Maintenant, il y a bien trop de documents à remplir si un prof veut faire un voyage avec ses élèves. Remplir means to fill in. So, this administration that he's talking about is, for example, when teachers want to do a trip with their class. They have to fill in too many documents. Il y a bien trop de documents à remplir si un prof veut faire un voyage avec ses élèves. When Alf was a teacher, there wasn't the same problem. Autrefois, quand j'étais prof, il n'y avait aucun problème. Tout se passait très bien et il n'y avait pas toute cette paperasserie. He says that when he was a teacher, there wasn't any problem. Tout se passait très bien, everything went well, et il n'y avait pas toute cette paperasserie. Paperasse and paperasserie are paperwork. In fact, Al feels that it's incredible that teachers even continue to organize trips. C'est incroyable qu'il y ait encore des profs qui fassent des visites. Nevertheless, the job of being a teacher is un métier très gratifiant. It's a very gratifying job, a very rich job. Néanmoins, c'est un métier très gratifiant, comme j'ai dit à Katie. Alf goes on to talk about a decision that he's taken this week. He mentions that he's not very good at cooking. He says, Je ne suis pas très fort en cuisine. Être fort en quelque chose means to be good at something, literally, to be strong at something. And obviously, if you're female, then you would say, Être forte. J'ai pris une décision importante cette semaine aussi. Je ne suis pas très fort en cuisine. In fact, he doesn't really get the opportunity to cook much. Il dit "J'ai l'habitude de m'acheter du pain et du fromage." I have a tendency or I have literally the habit of buying myself some bread and some cheese. Et ça fait mon repas du midi. And that's what makes up my lunchtime meal. J'ai l'habitude de m'acheter du pain et du fromage et ça fait mon repas de midi. Et as for the evening, la plupart des soirs, je suis sur Nice. Donc, je fais un tour des bistrots et des restaurants et je n'ai pas vraiment besoin de faire la cuisine. So, most evenings, Alf is in Nice. And he makes a tour, he's doing a tour of the restaurants and the bistros. So, he says, je n'ai pas vraiment besoin. De faire la cuisine. He doesn't really have a great need to do the cooking. However, par contre, in a month's time, Jennifer will arrive and he would like to surprise her by cooking her a delicious meal. Par contre, d'ici un mois, Jennifer arrivera et je voudrais bien la surprendre en lui cuisinant un repas délicieux. He says, en lui cuisinant. Cuisinant is the gerund form, by doing something. And in this case, en lui cuisinant, by for her cooking, a repas délicieux, a delicious meal. So, Alf is in fact on the lookout for a cooking class, a cooking school. And he's going to speak to Sandrine, his teacher, about this. Je suis donc à la recherche d'une école de cuisine. Et je vais en parler avec Sandrine. And with that, he concludes this week's text. Let's have a listen again to the whole text, and hopefully, you'll understand much more this time. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, il a plu pendant trois jours, donc euh, mes petits déjeuners sur la terrasse n'étaient pas aussi sympas. Dans les cours de français, nous avons parlé des métiers. Comme j'ai déjà dit, la plupart des étudiants dans la classe sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc euh, c'était très intéressant d'entendre leurs avis sur le travail euh, et les métiers en général. Je travaillais avec Katie, une jeune étudiante américaine, pour préparer une présentation sur le travail. Et elle s'intéresse beaucoup au monde de l'éducation. J'ai l'impression qu'elle aimerait bien être prof. Et je pense que mes histoires l'ont convaincue que c'est un travail enrichissant, bien que des fois ce soit difficile. Il faut dire que les écoles ont beaucoup changé ces derniers temps. Il y a dix ans, c'était un travail complètement différent. Maintenant, je pense que les profs ont trop de travail administratif. Sandrine m'a appris une bonne expression pour cela cette semaine. Les profs croulent sous la paperasse. Pour vous donner un exemple, maintenant il y a bien trop de documents à remplir si un prof veut faire un voyage avec ses élèves. Autrefois, quand j'étais prof, il n'y avait aucun problème. Tout se passait très bien et il n'y avait pas toute cette paperasserie. C'est incroyable qu'il y ait encore des profs qui fassent des visites. Néanmoins, c'est un métier très gratifiant, comme j'ai dit à Katie. Le fait que les élèves retiennent ce que je leur enseigne est très enrichissant. J'ai pris une décision importante cette semaine aussi. Je ne suis pas très fort en cuisine. J'ai l'habitude de m'acheter du pain et du fromage, et ça fait mon repas de midi. La plupart des soirs, je suis sur Nice, donc je fais un tour des bistrots et des restaurants, et je n'ai pas vraiment besoin de faire la cuisine. Par contre, d'ici un mois, Jennifer arrivera, et je voudrais bien la surprendre en lui cuisinant un repas délicieux. Je suis donc à la recherche d'une école de cuisine, et je vais en parler avec Sandrine. Alors mes amis, c'est tout pour le moment. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Voilà, c'est tout pour cette semaine. That's all for this week's Coffee Break French. Now, as I explained before, you can get lots more out of the program, out of this week's episode. By using the extended version, in which we take a closer look at a number of language areas covered in this text, including the subjunctive triggers bien que and also le fait que, which we didn't have time to cover in this episode. And we're also going to be looking at the conjugations of some very common verbs in the subjunctive that's être, avoir, and faire. Of course, the extended version comes with full notes. And a transcript including detailed explanations of the grammar points contained in the lesson. And that's available in PDF format and EPUBs for iOS devices. Find out more and sign up to become a member for Coffee Break French at coffeebreakfrench.com. Next time, we're going to take a break from the texts of Alf, Veronica, and Katie, and we'll take a closer look at the subjunctive and everything we've learned so far about the subjunctive. Also, taking the opportunity to give you some practice in forming the subjunctive yourself. That's next time on Coffee Break French. For now, thank you and we'll see you again soon. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. The podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.